Objet nombre SCP-195. Whisky médical. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. Un total de 17 fioles de SCP-195 est actuellement détenu par la Fondation. Elles sont séparées en trois groupes dans un casier de confinement sécurisé dans la section de stockage des classes sur du site 1279. L'accès au SCP-195 nécessite une autorisation écrite par au moins deux membres du personnel de niveau 4 et nécessite l'accompagnement d'un membre de la sécurité du site. En raison de la possibilité d'exposition due à l'inhalation des évaporations de SCP-195, l'accès nécessite une tenue intégrale contre les matières dangereuses de type C, y compris avec des engins de respiration. Il est possible que d'autres cas de SCP-195 existent. Tous les agents de terrain sont invités à signaler toute bouteille ressemblante à SCP-195, ainsi que supprimer. Si des autres cas de SCP-195 sont découverts, ils doivent être collectés par une équipe de confinement des matières dangereuses temporaires munie d'un kit complet, y compris avec des respirateurs. Description: SCP-195 est un médicament au whisky vendu par deux vendeurs ambulants durant l'après-guerre civile des Afriques du Sud. Diverses sources historiques conviennent que le whisky était destiné aux chasseurs des esclaves fugitifs de cette époque et aurait la propriété d'améliorer l'esprit. Ces sources s'accordent également à dire que les vendeurs ont souvent été chassés des villes quand les effets secondaires de leur concoction ont été découverts et ont été condamnés par pendaison pour leurs actions démoniaques à au moins deux reprises. Lorsque le sujet consomme une quantité quelconque de SCP-195, il va d'abord réagir d'une manière compatible avec la consommation d'une quantité égale d'un whisky torboyo ou d'un moonshine whisky distillé. Dans un court laps de temps, le délai varie selon le sujet. Le sujet commence à ressentir une capacité sensorielle accrue, goût, toucher, odorat, etc. Et l'effet de ce whisky a été annoncé par ses vendeurs comme tel. Cependant, avec cette capacité sensorielle accrue, vient une diminution générale du contrôle des impulsions du système nerveux et une hausse de la réponse dite de combat et fuite. Dans les essais, cela se traduit par un comportement violent. Cette réponse est théorisée pour expliquer la brutalité montrée par données des classes D sous l'effet de SCP-195 sont capables et désireux de données supprimées pour savourer la violence de l'acte. Des 183-578 assassins et violeurs décédés a exprimé le désir de déchirer la tête de avec Medancic. D'autres tests sur les capacités de SCP-195 n'ont pas été jugés nécessaires. Plus tard, l'assistant de recherche Renfield a reçu un éloge à titre posthume pour ses actions au-delà des exigences attendues. Des 12 322 protocoles 12, un mois après avoir consommé une bouteille de SCP-195. Après la dissipation des effets du whisky, les sujets reviennent à eux, à l'exception de ceux qui donnaient supprimé. Cependant, pendant un mois, tous les sujets éprouveront un sentiment d'ennui généralisé, souvent associé à de la fatigue. Un IRM montre un développement des ulcères au niveau de l'estomac et des poumons. Ceux-ci continuent de se propager indéfiniment jusqu'à la mort du sujet. De plus, la peau et la structure musculaire du sujet commencent à se dégrader, particulièrement lors de mouvements ou de périodes de stress. Cette dégradation se poursuit aussi indéfiniment ou jusqu'à la mort du sujet. SCP-195 a été découvert par le fil d'un historien âgé de dans en Alabama, fin 20, et l'arrestation et la condamnation de M. pour le meurtre de supprimé fit écho dans les nouvelles locales dans la région. La Fondation s'intéressa au cas de M. Lorsque, étant admis dans un hôpital, la dégradation inhabituelle de sa peau et de ses organes ont été signalées par les informateurs de la Fondation, et lorsqu'on apprit qu'il avait aidé son père à cataloguer divers éléments d'intérêt historique dans une cabane datant de la Seconde Guerre mondiale. Une équipe de la Fondation a été dépêchée dans la maison et a trouvé une malle ouverte contenant bouteilles de SCP-195.
Addendum, la description des sources historiques sur les vendeurs affirme qu'un homme était blond et anormalement grand tandis que l'autre avait les cheveux noirs et marchait de manière courbée. Les deux hommes avaient des étranges yeux brillants si qu'ils portaient des assorties censures correspondant aux visas donnés censurés encore en liberté. Il est nécessaire de rappeler à tous les membres du personnel que la capture donnée censurée est une priorité. Oh.